La guerre des Lulus, ça raconte l'histoire d'une bande de gamins, qui sont les quatre Lulus, en fait, qui sont quatre enfants qui ont un prénom qui commence par la même syllabe. Lucien, Ludwig, Lucas, Luigi. Et qui sont hébergés dans un orphelinat, enfin une ancienne abbaye transformée en orphelinat, qui est tout près de la frontière belge, qui est en France, mais près de la frontière belge. Et au début de la guerre de 14, avec l'arrivée de l'armée allemande, l'armée française évacue tous les villages qui sont près de la frontière pour pouvoir tenter une contre-offensive. Et le village où vivent les Lulus est évacué, mais comme c'est l'été, les Lulus ont fait le mur de l'orphelinat. Ils sont en train de jouer dans une cabane dans la forêt qui jouxte l'abbaye. Et personne ne se rend compte dans la panique qu'il manque quatre enfants. Et quand les Lulus reviennent à l'abbaye qui découvre qu'il n'y a personne, ils se demandent d'abord ce qui se passe, s'ils pensent à une espèce de jeu, ou alors que voilà que l'abbé et puis le reste de la troupe d'orphelins est parti faire du camping. Ils ne s'en inquiètent pas trop, ça les amuse même plutôt de se retrouver tout seuls, même s'ils se posent quand même quelques questions. Et puis les Allemands arrivent, et là ils se rendent compte qu'il y a peut-être un problème. Et ils vont se retrouver très rapidement isolés derrière la ligne allemande et ils vont devoir survivre en fait pendant les 4 ou 5 années que dure la guerre de 14. Et on raconte voilà, l'histoire de la survie de ces 4 enfants dans ce milieu hostile. On fait un tome par année de guerre, ce qui nous permet d'une part de prendre le temps de raconter notre histoire et surtout de faire grandir les enfants. C'est-à-dire qu'au début de, l'histoire, on a un petit groupe d'enfants qui est constitué de jeunes enfants, enfin de 10-12 ans, et puis de jeunes adolescents. Le plus âgé doit avoir une quinzaine d'années à peu près. Et à la fin de l'histoire, voilà, on a des adolescents qui ont une quinzaine d'années et de jeunes adultes qui ont une vingtaine d'années. Et donc ils vont évoluer physiquement, évidemment. Ça, c'est le grand challenge du dessinateur. Et ils vont évoluer psychologiquement, moralement. Parce qu'ils vont vivre évidemment des choses qui sont assez dures à vivre, puisqu'on est dans un contexte qui est très particulier. Ils vont voir des choses que ne voient pas en théorie les enfants de leur âge. Ils vont vivre des choses aussi très difficiles. Ils vont faire pas mal de rencontres. Même si le propos, c'est pas de montrer la guerre de 14 dans tout ce qu'elle a de plus atroce, on n'est pas sur le front. On ne va pas montrer les tranchées, sauf au travers de quelques dessins qui sont des évocations de ce qu'a vécu un personnage que rencontrent les enfants sur le tome 2. Mais c'est, voilà, c'est très succinct. On est vraiment dans la vie quotidienne des gamins. Et le propos, c'est à la fois de montrer ce qu'a été la vie en France occupée, puisqu'il y a eu une France occupée pendant la guerre de 14-18. Souvent, quand on parle de France occupée, on pense à la guerre 39-45, mais il y a aussi une partie de la France qui est restée occupée pendant toute la guerre de 14. Et donc, le propos, ça va être aussi de montrer un peu ce qu'a été la vie dans cette partie-là de la France, en Belgique aussi. Et puis de montrer voilà, le quotidien des enfants et leur évolution au travers de la guerre. Donc, pour revenir sur ce projet d'enfant, effectivement, moi, c'était une vieille envie que j'avais par rapport à mes propres lectures avec la Bibliothèque Verte, les séries qui pouvaient passer à la télé, aussi les 4 H chez Casterman quand j'étais tout petit. C'était vraiment une envie, j'aimais bien le côté aussi Robinsonade, de raconter des histoires d'enfants. Et puis les histoires d'enfants, en fait, ce ne sont jamais véritablement des histoires d'enfants parce que les enfants ne songent qu'à ne faire qu'une seule chose, c'est grandir trop vite et imiter les adultes. Et c'est ça qui me plaît, sauf qu'il y a le côté effectivement naïf par rapport à simplement le recul sur la vie et qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des acteurs adultes.